Bonjour à tous, petits et grands. Je vous souhaite la bonne santé et j'espère que vos préparatifs pour Noël vont bon train. Nous arrivons bientôt à la période de l'année que j'aime tant, les vacances de Noël. Avec mes lutins, nous travaillons d'arrache-pied afin que tout soit fin prêt pour le grand jour. Nous avons reçu des listes et c'est une montagne de cadeaux. Et surtout, il y a l'entraînement des rennes pour qu'ils tiennent la vitesse et la distance. Cet été, j'ai été fort occupé avec mes petits amis les rennes. Et si je vous racontais quelque chose sur mon renne le plus jeune? Le printemps dernier, mon troupeau a apporté au monde beaucoup de mignons bébés rennes. La plupart sont nés fin mai, juste à temps pour voir la neige fondre en Laponie. Ils volent, ça et là, librement, alors que l'été n'est pas encore arrivé. Les bébés rennes sont très curieux, mais la plupart du temps, ils vont là où leur maman va. Je parie que c'est un peu comme vous autres, quand vous allez avec votre mère faire des courses. Le lutin qu'il vaut, mon plus petit assistant, s'occupe du plus jeune de mes rennes. C'est un travail important, car un jour, certains de ces petits tireront mon traîneau. Et pendant que Quilvaux nourrit les petits, je m'occupe des rennes qui ont déjà passé l'examen de l'attelage. Plus on approche de Noël, et mieux je dois nourrir mes rennes de lichen. Ils doivent être dans leur meilleure forme pour la nuit la plus importante de l'année. Oh, que j'aime l'automne ici dans mes parages en Laponie. En septembre, j'ai encore un peu de temps et je peux explorer la nature et admirer la grande beauté des paysages arctiques. Cela me rappelle que nous n'avons que cette planète et que nous devons préserver sa beauté. En automne, quand le ciel est dégagé, les aurores boréales reviennent de leurs vacances d'été. Ce sont vraiment les feux d'artifice de la nature. Mais de toutes les saisons ici en Laponie, je pense que vous avez deviné quelle est ma préférée. Eh oui, c'est l'hiver. Ici, sur le cercle polaire arctique, l'hiver nous assure 6 mois de neige. Quand la neige recouvre entièrement les arbres, eh bien, croyez-moi, je sais ce qui est magique pour les yeux. Cette année, j'ai été très surpris de voir les premières neiges arriver au cercle polaire arctique déjà à la mi-octobre. Cela a fait le bonheur des rennes du village du Père Noël. Mes amis, quelle est votre saison préférée? Avez-vous de la neige dans votre région? En parlant de Noël, vous savez que je ne peux rien dire sur les cadeaux que j'apporte. Je dirai simplement que cette année, les enfants et les adultes peuvent s'attendre à recevoir beaucoup de livres. C'est bien important de lire tout un livre et de ne pas être accro au petit écran. Très chers amis, Noël, c'est bientôt. Soyez sages. Je dois maintenant faire ma balade de l'après-midi avec Tempête. C'est un renne très impatient et il devient nerveux si je prends du retard. J'ai hâte de vous voir tous. À bientôt.